On commence par un ban Terra côté Obé Alliance. Oui, on est parti sur un ban Terra et on enseigne sur un ban Jingwei. Jingwei qu'on a vu dans tous les matchs depuis le début de cette compétition et qu'il est temps de ban, enfin. Jingwei, oui, clairement, il est temps. Erlang Shen qui est ban côté Obé Alliance. Erlang Shen, eh ben, qu'on n'a pas vu depuis la première game alors qu'il était libre. Et les deux games suivantes, il a été ban. Donc, on va voir ça. On va pas pouvoir le voir pour cette game, pardon. Ouais, c'est un pick qu'on n'a pas vu beaucoup ban, mais c'est un pick assez fort. Hein. Moi, je l'aime beaucoup, le Harling Sheng. Il a été un peu remis et mis au goût du jour avec le fameux rat qu'on a beaucoup vu aussi dans cette compétition, puisqu'on peut facilement root Swearing Pain de manière très efficace. Et on a ban finalement Terra et Fafnir. Première fois qu'on voit un ban Fafnir. C'est un perso que moi, je trouve très très fort, qui est peut-être un peu moins fort vu qu'il n'y a pas de laning phase, mais ça reste quand même un très très bon perso dans les fights 3v2, 2v3 dès qu'il a son ultimate. On est en first pick Zeus pour Obé Alliance. Alors Pretty Prime, à savoir qu'il va pas forcément faire du mid laner méta, c'est un grand adepte de Zeus, de Vulcan, de personnes un petit peu comme ça qui sont, on va dire, à haute méta, mais qui sont très forts dans les mains d'un pro. Et Pretty Prime en est la preuve. Je trouve que son Zeus est très très intéressant. Hâte de voir ce qui va se passer en face pour le counter pick. Et côté d'ailleurs Wolf, on prend un Sobek, a priori solo lane, puisque ça sera un Sylvanus support. Donc le choix ici, on est parti sur une compo très 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 tanky avec un Sobek solo lane. Ça contre un petit peu le heal. C'est assez fort contre Zeus qui est un perso statique. La compo d'ailleurs Wolf ultra tanky pour le moment. Est-ce qu'on va partir sur le tir de Variety? Tu en parlais tout à l'heure, Variety qui est un petit peu un OTP tir, entre guillemets, il le joue très souvent, et il va le lock, voilà, on en parlait, je pense que si on voyait un tir en premier, ça aurait été bien, été le tir de Variety. Il est pique, ça fait très plaisir, il jouera probablement contre un Sobek en solo lane, et voilà, là, très intelligent, le pique Odin, et je pense qu'on verra Panda-like sur Odin support, je le verrai bien en support plutôt qu'en jungle sur Odin. Ah, Odin support, c'est assez fort comme combo avec Zeus, puisque c'est deux ultis qui ont la même taille. Et on a un Ratatosker qui est log, donc une compo intéressante avec beaucoup de knock-up, dis donc. Le Sylvanus, le Rata et le Sobek. On est parti sur beaucoup de capacités d'initiateur. On verra quel sera leur choix au mid et en ADC côté des Australiens. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un pick, donc Ratatorce, comme tu as dit, côté Dire Wolves. Au niveau des bans, on a un ban Janus, côté Obé Alliance. Intéressant. Et ensuite, on ban Unbats, qui est un perso que j'affectionne particulièrement, qui est assez fort car il a un ulti aussi énorme pour zoner les adversaires et pour laisser le Zeus se placer ses charges tranquillement. Et on a le last ban Scylla, côté Obé Alliance, vu que le mid laner n'a toujours pas été pick, on enlève les deux meilleurs mid laners suivis de Scylla, Janus avec sa rotation, Scylla qui a de très bons dégâts, et au final un peu d'escape et une bonne rotation. Donc on va voir qu'est-ce qui va pouvoir être pris du côté de LG Direwolf pour counter ce Zeus. Zeus à la française, à l'anglaise. Oui, Zeus déjà aura du mal à jouer face à trois persos comme un Sobek, un Sylvanus et un Rata. Je pense qu'il y a possibilité de prendre un Tot, de prendre un Rat, de prendre un perso qui peut combo très bien, Poséidon. On sait jamais, on va voir ce qu'ils vont décider de prendre. Un perso qui peut sortir de la cage d'Odin, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas 50 dans ceux que j'ai cités. Donc à voir ce qu'ils vont décider de prendre. A priori, c'est une Freya qui sera jouée en ADC pour le late. Freya qui a un pick assez fort actuellement, qu'on n'a pas vu ban ni pick pour le moment. Donc ouais, non, très, très, très clairement, on va voir ce que ça va donner. On semble partir sur du chrono, c'est Kamazotz côté Obé Alliance. Est-ce que ça va être lock? On va voir ça tout de suite. En tout cas, ça a l'air d'être demandé dans le public. On entend un petit peu la foule crier. Chronos qui serait au poste d'AD Carry pour Ataraxia. Et Nikkei qui est pris pour la solo lane face à ce Sobek. Ouais, c'est un pick très intéressant, Nike. J'adore son passif, hein, qui est très très fort. Il faut tuer 250 sbires, tuer 10 personnes et
avoir deux joueurs niveau 20, c'est un passif vraiment très très fort pour Chronos en lane, c'est vraiment insane. J'aime beaucoup aussi sa phase de lane, il sait qu'il joue face à un Sobek, donc un perso qui peut quand même facilement cancel son 1, donc c'est assez étonnant. Côté des Direwolf, on va partir sur une Izanami middle, c'est vrai que sinon c'était une compo trop orientée dégâts magiques, donc c'est cool, ils sortent une Izanami mid. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je m'étais amusé à, j'avais parlé de Izanami mid, je pense que c'est un pick qui est assez intéressant, ça a une très très bonne phase de lane, ça a une capacité de combo avec Ratatos, Curse, Sylvanus et Sobek qui est plutôt insane, donc à voir comment il s'en sort. Ochita, de mémoire, le mid des Australiens, avec cette Izanami middle, en tout cas ça sera certainement pas Freya mid, donc il y a de grandes chances que cette Izanami soit mid, et ça fait une compo équilibrée finalement, j'avais peur avec les trois dieux magiques qu'ils avaient déjà sortis dans leur compo. Intelligent, hein, comme tu dis, ce pick Izanami, à de voir ce qu'ils vont faire. Pas mal de tankiness au final avec Sobek Sylvanus. En face, Obélians qui sort un Odin intelligemment pour counter un petit peu ce heal et de 1 de Sobek et de 2 de Sylvanus, surtout de Sylvanus avec la cage. Probablement, on va voir un Ghost en relique pour essayer de sortir de cette cage. Ça serait assez intelligent en tout cas, sinon ça pourrait être quasi la mort assurée et pour Sobek et pour ce Sylvanus. La compo Obélians qui est très, très exotique, on a un tir, un Odin. Et une Nike. Où va aller où? Je dirais Odin support, Nike jungle et tir solo. Ou tir peut aller jungle également. Pour avoir assez peu joué Nike, je ne sais pas si son clean et ses capacités de gank sont assez intéressantes en jungle ou pas. Ouais, je pense que ça sera comme tu l'as dit, sans doute. Ça pourrait être Nike support Odin solo, mais Nike sera pas en solo, ça sera sûr, ça sera le tir. Et après, ça peut se jouer entre le Odin et la Nike. J'aimerais bien voir une Nike support. De toute façon, une Nike support, elle est pas vraiment support beaucoup. Elle sera jungle. C'est Pandala qui joue Odin, donc t'avais raison. Donc une Nike jungle, c'est intéressant. C'est un clean, assez bon. De toute façon, on sait que le support, il est plus trop avec la DC, donc il est plutôt avec le mid et le jungler. Donc ça va clean quand même relativement. Suffisamment, et puis on évite de se faire cancel le 1 facilement par le Sobek, donc c'est plutôt judicieux. On nous parlait, quelle est la compo qu'on préfère? La compo d'Airwolf est très tanky, basée sur les contrôles de Sobek, du Rata et du Sylvanus, avec deux hard carry derrière Izanami et Freya, donc une compo vraiment très orientée teamfight, etc. Alors que Obélians, on a des persos un peu qui font leur vie, hein. Chronos, ça fait un peu sa vie en teamfight, ça peut être autant devant que derrière, ça peut chase, ça peut revenir avec ulti, tir, c'est assez indépendant aussi, ça a beaucoup de capacité de sustain, etc. Et derrière, on a trois persos qui sont basés pour combo ensemble, qui sont Nike, Odin et Zeus. Donc à voir si le combo des OB Alliance marche mieux que le combo des Direwolf. On invade le buff de dégâts, donc cette fois-ci à l'autre bout de la map, c'est très étonnant comme invade. Et ça a l'air de passer. Ouh là là, le shield, le jump qui avait très très mal de Pandalike, mais ça passe. Ça passe fort heureusement, les Direwolves qui vont prendre les mid camp parce que Pretty Pam va pouvoir mettre une chaîne d'éclairs pour faire un petit peu de dégâts. C'est ce qu'ils semblent vouloir faire et c'est chose faite, de bons dégâts qui sont mis ici. Je ne sais pas s'il a réussi à les prendre. En tout cas, on adopte la stratégie du support en mid lane et même du jungler côté Direwolves. Les deux AD carry qui se retrouvent en 1 contre 1. Et est-ce qu'on va y avoir, est-ce qu'on va avoir peut-être un petit affrontement early côté jungle, solo, obey et peut-être support mid lane? Non, ça n'ira pas plus loin, on va juste aller prendre le speed buff. C'est très bien joué, hein, de la part des Direwolf. Ils tentent une invade sur le buff de dégâts et ça passe. Donc c'est vraiment bien joué. Ça permet, regardez, Petit Pam est encore level 1 avec son Zeus. Donc il est en difficulté. Le Sobek, lui, de toute façon, a un manque de dépush. Il n'aurait pas pu dépush. Il va devoir empêcher que les sbires aillent sous tour. Le Rata va lui donner une communication. Ce qui est bien avec cette nouvelle méta, c'est que ça demande une grosse communication entre les joueurs pour Richard Castle qui va prendre très très cher au bug de Dairez ici. Oui. Magnifique. Le Sylvanus a survécu, c'est bon, oui, il est encore vivant. Et puis Sylvanus peut se moquer un petit peu du POC parce qu'il peut se soigner, bannissement, il va essayer de protéger son sanglier. Non, il ne pourra pas. Et là, on voit que ça se joue vraiment, cette méta, sur de la communication avec ici. On cancelle les sangliers de Freya en allant les chercher, c'est vraiment bien joué ce que font les OB Alliance. Ils rattrapent leur retard là-dessus. Ah, il joue très très bien, là il n'y a pas à dire. Zeus, on a vu qu'il met déjà du poke plus que raisonnable, hein, sur Sylvanus. La chaîne d'éclair, si ça touche, ça passe. Et on voit intelligemment que Captain Twig prend une partie de la jungle et Zeus et Tyr se rejoignent pour prendre l'autre partie pour essayer de prendre un petit avantage. Et là, étonnamment, c'est Ratatorz qui vient leech sur la duo lane plutôt que le support. Du jamais vu ça, le jungle qui vient faire office de support.
Ouais, très intéressant. Il préfère laisser le Sylvanus qui clean tranquillement avec le mid les Bakarpi. Sans doute une des raisons c'était que le Rata avait envie d'essayer de Rowi avait envie d'essayer de passer niveau 5 rapidement. On est très synchro hein, côté des Australiens. On était tous niveau 4. Là, on a le Sylvanus qui finalement passe niveau 5 en premier. C'est assez rare pour un support. Et au niveau de la duo, bah Freya a l'air de tenir face à Kronos, ce qui est assez bon hein, pour Maxen. Maxen qui est un joueur impressionnant. On avait commenté ensemble le match Pandemonium contre Avant-Garde, avant que Pandemonium soit racheté entre guillemets par Direwolf. Maxen et Rowim nous avaient pas mal surpris, donc j'attends de un grand match. Ah, c'est sûr, ça va être à surveiller de près. Et pour le moment, cette stratégie de... Oh, attention, la bonne agression ici, sur Sobek avec le décal de Captain Twig, le dash out de Kikyomeo. Est-ce que ça va suffire? Oui, First Blood pour Captain Twig qui craque l'ultimate pour sécuriser ce kill. C'est extrêmement bien joué ici. Et on voit que bah, Richard Castle, il follow absolument de partout son mid laner. Et pour le moment, bah, ça lui profite. Il arrive à bien conserver l'expérience nécessaire, tout comme le Ratatorsk. Et pour le moment, malgré ce first blood concédé par le Sobek, ça se passe plutôt bien pour Direwolves. Oui, les Direwolves tiennent bien parce qu'ils récupèrent une nouvelle fois le buff de dégâts, les mid harpies de gauche, les mid harpies de droite. Donc globalement, il n'y a que Sobek qui prend cher et qui prend deux levels de retard face à Variety. Il a tardé à utiliser son dash en même temps. La Nike s'était mise devant lui pour essayer de l'empêcher le plus possible. Les mid harpies, oh, peut-être que Sylvanus en a récupéré une, je ne sais pas. La Nike qui se met son combo, mais globalement, ça va s'arrêter là. Le Sobek qui est derrière, va falloir quand même essayer de l'aider. Faut pas que Variety réussisse à snowball sur Kikyomeo. Qui est déjà pas mal en retard sur son vis-à-vis. Oh le Ah, flash! le bon Blinkin hein, de Odin ici, la Aegis qui est claqué, le bon ultimate de la part de Odin pardon, pour Cage. Attention, Captain Duke a pas se faire avoir Pretty Prime qui arrive à faire sa décharge pour prendre le kill sur Ochita. Captain Duke qui fait le jump pile poil au moment où le grab de Sylvanus arrivait. 2 kills à 0 pour Obé Alliance. Et là, Pandalike a fait une super décale et on parlait justement d'attendre à ce que Izanami fasse son jump out pour ensuite la cage. Elle n'a malheureusement plus d'escape à ensuite. Ouais, c'est vraiment bien joué ici. Rowi qui essaye de récupérer un petit objectif en sneaky là et qui fait que malgré les 2 kills des OB Alliance, il y a seulement 400 gold d'avance, donc pas grand chose. C'est juste l'XP qui risque de poser problème si les OB Alliance continuent à prendre des kills petit à petit comme ça. Mais ça se passe pour les Direwolves. Leur combo, il doit être placé en premier avec Ratatosker et la Izanami avec le Sylvanus aussi qui est là. Pense qu'ils vont jouer, à mon avis, assez safe Direwolves en début de partie et c'est les OB Alliance qui tente les moves avec le Zeus et l'Odin qui, avec un flash sur un Odin dès le début de la partie, c'est vraiment qu'on a envie de jouer agressif dès leur lit. Clairement, et Variety qui s'en sort bien, un petit niveau d'avance sur ce Sobek pour le moment. Sobek n'a toujours pas fini ses bots alors que les tabis guerriers sont finis du côté du tir. Et là, on va tranquillement farm du côté de cette mid lane. L'ultimate de Pandalike qui est revenu, donc comboté avec un ultimate de Zeus, ça peut être radical. Attention ici, le gank de Roé. Ouais, le gank de Rowi, c'est bien joué. On va forcer l'ulti d'Ataraxia. Par contre, il peut se retourner parce qu'il y a ses teammates qui sont avec lui. Il y a Nike qui arrive. Là, il faut réussir à placer le stop time. La Freya, oh, le jump, le stop time derrière. Elle aurait dû mettre l'ulti un tout petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Il va s'en sortir avec sa Freya. Mais il a été forcé d'utiliser son ultimate. Et attention, Odin, là, est-ce qu'il a le blink? Non! Oh! Très bon banish ici de la part de la Freya. Parce qu'un instant ult de Odin, c'était clairement la mort pour Maxon, qui avait certes encore son Aegis, mais je pense pas qu'il aurait pu tempo comme avec l'ultimate. Intelligemment joué. Et là, Captain Twig qui va agresser. Attention, est-ce que pendant la like, blink, le bon blink ultimate, le dash out de la part de la Izanami, on l'a dit. Ce Odin qui se retrouve dans la, ce Sylvanus, par contre, qui se retrouve dans la mêlée à Ataraxia, qui sécurise le kill, Ratatorsk. Qui arrive, est-ce qu'il arrivera à continuer un chase et à prendre un kill? Malheureusement non, 3-0 pour OB Alliance, très bien joué. Ouais, pour le moment, le combo marche bien de la part de Pandalike et de Pretty Prime. Le Sylvanus qui tient, mais qui finit par tomber hein, de l'Ultimate et du Detonate de Zeus. C'est bien joué, on est à 3-0 et petit à petit, les OB Alliance creusent l'écart entre deux levels principalement. Même si le Sylvanus reste toujours devant le Odin, les midlaners sont à égalité, les junglers sont à égalité et même Sobek finalement, Kikyomeo,
et du même level que Tyr. Donc les Direwolf, attention, ils sont toujours là, malgré les combos des OB Alliance. On a l'impression que les Direwolf se laissent faire, mais finalement ils arrivent assez bien à tenir au niveau des objectifs. Tentative de Golf Uriel est déjà à 50%, il y a Captain Twicket dans les parages, il y a une colère hein, côté Nike et une colère côté Rata et Sobek, donc double colère, ça va jouer là-dessus, donc il faudra faire attention. Côté Rowi, le Lowbringer de Tyr, le Fearless contre le mur et Rowi qui tombe. Très très bien joué de la part de Variety, un combo parfaitement exécuté. Là, il a fait un très très bon TP, Variety. Dommage que ça n'ait pas concrétisé sur un autre kill. Ça aurait pu être une très bonne Gold Fury pour OB Alliance. Mais bon, on va se contenter d'un kill. Pendant ce temps-là, Sobek essaye de rattraper tant bien que mal son retard sur la solo lane. Il n'a pas le TP, donc il n'a pas pu TP comme le Tyr. Il a préféré prendre une colère pour sécuriser les futurs objectifs. Et là, il a push. Une vague de creep qui va aller se mettre sur la tour ennemie. Là, le temps de back et de revenir sans perdre trop de farm. Ataraxa qui a son kill, qui est très bien, il a pris son Pythagore, ses bottes de concentration, il a du sustain, de la réduc CD. Le Chronos, eh ben, il a juste sa farm pour le moment. Plus la game va avancer, plus il va pouvoir se stuff, et plus ça va être problématique pour Direwolves. Ce qui est intéressant aussi à mentionner, c'est que Nike prend les bottes de mobilité sur son jungle, Captain Twig, sans doute pour tenter des catchs et arriver à réussir à placer son saut vaillant, le 3 de Nike qui est très très fort, hein, qui est l'équivalent d'un belly flop de Bacchus, et qui fait vraiment la différence. La sentinelle de Zeus pour saut, la Freya, l'ulti derrière, on va essayer de mettre des dégâts, même si là elle est en difficulté à la retombée, il faut qu'elle évite le stop time, elle est gide, elle temporise une partie des dégâts, mais elle va tomber et deux Panda-like derrière l'ulti de Zeus pour zoner les adversaires. On a le Rata qui va retomber sur deux personnes, c'est bien joué. Le Odin qui se focus avec des petits Izanami. Les Izanami qui est obligé de désengager. Rowi qui est en difficulté avec son très bon dash quand même, même si ça suffira pas. Attention, ici on continue d'engager côté Captain Twix. Ça va prendre le kill sur Otita, 3 kills à 0. L'arrivée de Variety qui fait un très bon flip sur ce Sylvanus, 4 kills à 0. Et là, c'est la Free Gold Fury côté OB Alliance. Il y a eu la très bonne rotation côté Variety. Sobek, malheureusement, comme il n'a pas de TP, est contraint de push cette tour. Faut vraiment qu'il prenne cette T1 solo, pour avoir un minimum de lot de consolation. Parce que 4 kills plus une Gold Fury pour OB Alliance, là, c'est un peu la cata pour Direwolves. Ouais, là c'est le gros snowball hein. Pour le moment c'était que des petits kills, mais là ils viennent de faire un move exceptionnel, les OB Alliance, 4 pour 0 plus Gold Fury. On voit le travail hein, de Captain Twig qui met des superbes sauts vaillants qui font la différence. Il a mis un superbe saut vaillant sur deux personnes et ça a fait la différence derrière avec Variety. Débat qui place son deuxième fearless de la partie, qui permet de jouer très très bien joué de la part des OB Alliance, avec Pandala qui fait également un très bon taf avec son Odin. Il va rush de là une souveraineté pour apporter de l'armure à toute son équipe, qui permet de gérer le combo Rata Izanami, qui est le seul combo pour le moment en Sunderly avec la Freya qui ne s'est pas encore exprimée et qui mettra encore une dizaine ou une quinzaine de minutes avant de faire vraiment extrêmement mal. Freya, c'est le problème, c'est que l'early est un petit peu difficile, mais si on la laisse arriver rien qu'en mid game, le late game elle est absolument infâme à gérer. Elle fait d'énormes dégâts avec le Fatalis, elle loupe rarement et elle vous rattrape très facilement. Là, Obey a compris qu'il fallait jouer surtout l'early mid game pour enfoncer le plus possible le clou et concrétiser cette game le plus rapidement possible. Odin, comme tu disais, qui fait un travail absolument énorme. Pandalike qui est très très bon, qui rotate absolument partout, qui met les bonnes cages où il faut, les bons blinking, et Variety qui au final un plus grand impact que Sobek, et la tour n'est malheureusement toujours pas tombée. Et là on peut peut-être punir ce Sobek. Attention Sobek à ne pas trop avancer. Il doit faire attention le Sobek. C'est un perso qui est safe, mais c'est vrai que face à des persos qui ont tendance à se mettre facilement devant lui, il a un dash finalement très très court, donc il faut faire attention. Pandalike. Est-ce qu'il veut tenter quelque chose pendant le live? Non. Alors, on a tenté un push sur la duo, très bon stun sur Ataraxia. Le stun qui passe sur la Freya, le time rift derrière, elle prend le focus des sbires. Et Captain Twig qui débarque au bon moment, qui va placer son saut vaillant. Avec le. Je crois qu'il n'a pas activé son 2. Il préfère faire le saut classique après. Il s'est juste fait de toute façon, va ulti. Ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le.
Ouais, Freya ulti, la bonne Aegis ici. Est-ce que Zeus va y arriver? Très bien joué. Très bien joué, Pretty Prime qui met l'ultimate et qui attend la Aegis qui se termine pour faire exploser ses charges. Un kill supplémentaire pour Pretty Prime. Ratators qui a été contraint de faire l'ultimate également pour escape plutôt que d'agresser. Et là, ça sent le dive sur ce Sylvanus. Attention. Ouais, le Sylvanus qui peut tranquillement servir Captain Twig, il a une matraque du bagarreur, donc faut faire attention. Bandala qui va prendre quelques dégâts, il a plus son jump, il vient d'utiliser, il enferme les deux joueurs dans l'arène, mais il se fait gros grab, c'est très bien joué de la part de Richard Castle et ça va permettre à Rowi de sécuriser le premier kill des Dire Wolf à 12 minutes de jeu. Côté Ataraxien, on met des dégâts sur Ochita. Oh pouf. Bah, heureusement l'esprit peut passer. On va essayer de push la T1, on a Variety qui est là, Sobek qui va essayer de push la T1 de la solo lane à ce jour. Et on va prendre cette. On est en bonne phase pour prendre cette T1 côté, côté mid lane. Freya qui va arriver pour des push. Bon, on n'ira pas plus loin. Le bon banish ici sur Ataraxia, le grab un petit peu trop tôt malheureusement. Et Ratators qui prend d'énormes dégâts ici. Rogue, Variety qui va go in malheureusement. L'ultimate est loupé. Sobek qui a fait de bonne arrivée avec le TP. Pretty Prime qui va se retrouver dans le Nias. Variety qui prend le kill néanmoins sur Ratators. Richard Castle qui va prendre ce kill sur le Zeus qui fait une très bonne shutdown ici. Un kill de part et d'autre. Et la T1 solo lane est bien amochée côté OB Alliance. Est-ce qu'on va continuer? Non, on va juste prendre le mid camp, on n'ira pas plus loin. Ce petit kill fait un grand bien au Dire Wolf. Ouais, il fait un très grand bien au Dire Wolf. Il y a Captain Twig qui est allé défendre finalement cette tour solo lane qui n'est pas tombée. On est parti sur Colère TP sur le Sobek, alors que du côté du tir, on joue au Flash finalement. Flash pour Variety qui est parti sur une robe spirituelle pour diminuer les dégâts quand on subit un contrôle. C'est vrai que les contrôles, il y en a un paquet côté Dire Wolf. Il y a le bannissement, il y a l'ulti Sylvanus de route, Ratatosker qui a son stun, son knock-up. Donc c'est un bon choix ici. C'est rare de voir cet objet rush en early, mais je pense que c'était un bon choix de la part de Variety ici dans cette partie. Très bon choix comme tu dis. Ataraxia qui est contraint d'aller sur cette duo lane pour dépush un petit peu la T1 qui est presque tombée. Est-ce qu'on va avoir un engage ici de Captain Twig? Non, la T1 mid est tombée. La première tower à être tombée. On veut pas risquer le diable. Là il est un petit peu tout seul Captain Twig. Attention de pas faire le fou, on prend de bons dégâts. Attention, un bon Q grab, peut-être un très bon crab ici sur Captain Twig. Ouh. Et Pretty Prime qui a fait un ulti un petit peu dissuasif pour aider son allié jungle, il ne l'aura pas pour le prochain teamfight. Alors là, c'est peut-être le coup à jouer pour Dire Wolves qui vont peut-être sécuriser cette Gold Fury. Vu que Captain Twig a assez peu de vie, ça serait un bon moment pour la faire. Ils vont tenter cette Gold Fury, ils ont quand même deux colères, hein. Ils pourraient les utiliser côté Dire Wolf. Bizarrement, ils se font zoner, ils décident de reculer quand même. Captain Twig est à peu près mi-life, hein. Il s'est fait regen. Attention, les dégâts de Captain Twig. Le très bon combo ici sur Maxen, le jetpack avec sa Freya, le stop time qui ne bouge pas, mais derrière petit. Ah si, il a touché le stop time sur le Rowi, l'ulti Freya qui a été forcé, le très bon flash d'arrivée de tir. Et on va sécuriser ici sur Maxen, on va enchaîner sur le Sylvanus qui tombe du coup petit prime, il reste que Sobek, là il va aller vite, on va aller chercher le boss, on va prendre un petit peu, le Fearless bien placé de Variety. Il va le tenter, il va réussir. Non, le chien. Ah, dommage. C'est quelqu'un tenté de la part de Kikyo Meo. Là, ils ont essayé de défendre la gold avec un petit peut-être. Hop, hop, les dégâts sur cette épée. Et on sécurise côté Dire Wolf en 1v3. La Gold Fury, très bien joué de la part de Uchita. Waouh, là c'était très risqué ce qu'il a fait au Chita, mais il a réussi à sécuriser la Gold Fury. Et s'il ne l'avait pas fait, ça aurait mis les DW en très très mauvaise posture. Et ben ça redonne un petit peu d'espoir malgré, en termes de kill, la nette domination de l'Alliance 14-2. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et bien il n'y a qu'un retard de 2700 gold, ce qui n'est pas si énorme que ça à 16 minutes de jeu. Les Dire Wolves qui tiennent le choc comme ils le peuvent. Mais bon, en termes d'expérience, par contre, le gap est beaucoup plus important. Ouais, c'est très compliqué quand même pour Dire Wolf avec l'Infinite Card XP. Mais on sait jamais, d'ailleurs, c'est quand même qui va continuer. Ouh, on cancel le back côté Maxon, le banish qui ne passera pas ici. Non, ça continuera, ça va farm. Est-ce qu'on va tenter un dive côté Van Lake? Ça serait intéressant. Avec l'arrivée de Pretty Prime sans doute, Izanami qui décale un peu tard avec Sylvanus. Non c'est bon, ils vont pouvoir protéger Maxen. Par contre ils vont prendre la tour, ça c'est sûr. Chronos, l'un des meilleurs persos pour push dans ce jeu.
et on fait tomber la T1. Ça y est, c'est fait. Au niveau de la middle lane, Captain to Episode, un petit peu Ochita qui prend le 3 coups là, ça fait très mal quand même. Hein. Y a rien à dire. Une Nike qui met son combo. Après, il est parti matraque du bagarreur, play au titan. Donc, coup de peigné. Captain Twin. Push, ouais, derrière, Rowi, la T2 qui est en train de se faire focus, des bonnes tirades à Tusker, mais son outil Chronos et la purification de Tokyo au cas où Ataraxia qui réussit à s'en sortir. Et on met d'énormes dégâts côté Petit Prime. Le risque de Sylvanus qui va faire RP. Le Lowbringer, le Fearless derrière sur le Sylvanus. On va se retourner plutôt sur Maxen. Maxen qui va tomber des coups de Variety. Le bronze au niveau sommeil. Est-ce que ça va suffire? Non, on fait de gros dégâts, mais c'est insuffisant. Malheureusement, c'était sur des frontliners, sur Odin et sur Tyr. Ça fait pas suffisamment de dégâts. Oh, le Blink. Qui a la question Blink moi, non, pas du tout, non, j'ai dû bugger. Non, très bien joué ici hein, de la part d'Oballiance, la T2 qui est presque tombée. Très bon Fearless, très bon ulti Fearless de la part de Variety, y'a rien à dire. On prend petit à petit l'avantage quand même. Oballiance, on voit, on s'installe de plus en plus, on prend ses aises. On prend la jungle. Là, le Fire Giant qui est wardé côté Oballiance uniquement. Ça serait intéressant d'aller enlever ce warding côté Dire Walls. Très clairement, là, il faut prendre au plus vite cette information parce que avec les dégâts qu'ils ont entre un Zeus, entre un Chronos, ça peut aller extrêmement vite un Fire Giant à ce niveau de la partie, surtout vu le stuff d'Ataraxia à 3-0-5. Il a la mêlée, il a l'éclat prismatique, il a le Pythagore. Bref, ça peut être très dangereux de ne pas le warder. Ouais, c'est bien joué aussi. Il y a quelque chose qu'on pourrait mentionner, c'est la lamellée qui a été choisie par Pretty Prime sur son Zeus. C'est assez fort sur Zeus parce que Zeus a déjà énormément de dégâts de base dans son kit de sort. Donc un détonate que vous ayez 0 de puissance, si vous avez mis les 3 charges, c'est vraiment très 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 mal. Donc il prend une lamellée pour contrer le slow de l'équipe adverse. Il y a quand même un Sobek qui vous slow énormément, le Rata qui slow avec son dash. On a également le slow d'Izanami, le slow de Freya sur son 2. Donc la lamellée va souvent en proc dans les teamfights, ça lui permet d'avoir beaucoup de PV aussi parce que de base la lamellée en donne énormément, un anti-slow et de la vitesse d'attaque, ce qui n'est pas forcément trop mauvais sur Zeus puisqu'il met souvent des autos pour finir de mettre sa troisième charge sur les dieux si ça n'a pas suffi, l'ultimate ou le 1 de Zeus. Là, faut faire attention hein, parce que on voit Sobek en mid lane, Variety push, il a le TP. Attention, le bon banish ici qui a été fait sur Captain Twig, le très gros ultimate ici. Ratatorsky ultimate out directement, le bon ultimate de Odin ici sur le Sylvanus. On va tout dump sur lui. Ratatorsky go in sur Captain Twig avec le Sobek. Est-ce qu'ils vont arriver à prendre le kill? Le jump out de Captain Twig, c'est très très bien joué. Ici Richard Castle qui est pas en bonne posture, le Ratators non plus. Le bon stun de la part d'Ataraxia, on va prendre le kill sur ce Ratatorsk. Et oui, Kiko Emo qui va faire son dash. Bonne ultimate de la part de Tyr ici qui va aller sur Ojita. Ojita qui a claqué Beads. Plus est-ce que ça suffira? Malheureusement non, Pretty Prime qui prend le kill, le Sobek qui est pas en bonne posture, le jump in de la part de Panda Like. Est-ce qu'on y arrivera? Captain Twig qui goine le bon, la bonne colère pour stun, le grab qui sera le bon stun pardon d'Ataraxia sur Kikyomeo. On prend également le kill sur Ochita, sur Maxon pardon, et seul Richard Castle est en vie. Ça semble être le Free Phoenix ici. Alors on va essayer de faire tomber le Phoenix avec Ataraxia qui tankait, Odin qui peut pas prendre énormément de coups de Phoenix malheureusement. On a quelques sbires, donc là c'est bon, il va tomber. Sylvanus qui essaye de clean rapidement la lane, mais ça suffira pas. Le premier Phoenix de la Dio lane qui tombe et l'écart de gold qui devient colossal. On est déjà à 8000 gold, 19-2, 20 minutes de jeu. Il y a une Gold Fury qui peut être faite. Après, on n'a plus beaucoup de mana côté Pretty Prime. Il va falloir un pack. Côté de Captain Twig, on est parti sur de la tankiness avec une robe de Spirit Quest. C'est un peu intéressant, je trouve que c'est vraiment un excellent choix d'objet dans cette partie. Côté 2, notre cher Chronos, il est parti sur une pièce de Pythagore full CDR. Au début, c'était assez intéressant. La mêlée éclat d'obsidienne et il part maintenant sur un bâton de Tahuti. J'ai hâte de voir le dernier stuff que va faire Ataraxia avec son Chronos. Côté Freya, malheureusement, on est à 0,5. On a 5 levels de moins qu'Ataraxia et on fait pas encore assez mal avec Freya. Le teamfight n'était pas trop mauvais de la part des Direwolves, mais il y avait 3 joueurs qui étaient low et en fait, ils n'avaient pas envie de revenir dans le fight. Et Ratatosker
et le Sobek se sont retrouvés à deux dans le fight et aucun des Dire Wolves ne pouvait vraiment les aider et ça finit par passer pour les Obéanians. Mais le début du team fight n'était pas mauvais, malheureusement l'écart d'XP et l'écart de level a fait que les Obéanians ont plus facilement continué ce fight alors que les Dire Wolves eux n'en avaient plus très envie. Non là clairement ce fight a été un petit peu fatal pour Dire Wolves. L'écart de gold s'est beaucoup plus creusé que ça. Honnêtement le move était pas moche, un Ratatorsk, y a pas de souci. Attention la bonne agression, c'est Captain Twig sur la Freya qui est contrainte d'Ultimaxon qui risque peut-être de tomber. Bonne ulti de Variety qui est going. Il va prendre ce kill avec le Fearless. Très bien joué, Unstoppable. 7 kills sans aucune mort sur ce tir. Il est absolument incroyable sur ce dieu. Et là on est à la T2. Est-ce que la T2 va tomber? Gros Fearless encore de la part de Variety. Le bon blink culte de la part de Pandalike ici sur le Sylvanus, pardon, Rowi qui est contraint de faire un Aegis. Les bons dégâts de la charge de Zeus, ça n'ira pas plus loin. En tout cas, on est contraint de back côté du Ratatorsk. Il va falloir faire super gaffe. Ouais, il va falloir faire très très attention. C'est pas encore gagné. Prise de la Gold Fury, là ça va leur permettre d'atteindre les 10 000 gold d'écart entre les deux équipes. On essaye d'y aller côté Sobek, mais on se fait body block magnifiquement par de la part de Pandalike. En plus on a le contrôle de tir derrière, le dash de Sobek, la Gold Fury qui a été complètement reset et le Sobek qui va maintenant sans doute tomber, quoique non, on part pas sur lui. Izanami qui a mis un bon outil quand même. On va essayer d'aller sur le Sobek, ouais, on va réussir à le tuer je pense, il va devoir se suicider. Il tombe nez à nez face au Zeus, il prend une charge, le shield jump, deuxième charge, il en fait une troisième, le detonate et c'est bon. Bien joué, un kill de plus pour Pretty Pine qui est maintenant à 7-1-11, qui est assez efficace. Variety aussi, hein, on a eu des très très bons décals de Variety, il est à 7-0-6. Variety absolument insane, on voit là 12 000 de plus d'expérience, 8500 gold d'avantage pour Obéalliance, le titan qui a commencé à être attaqué côté Dire Wolves grâce à ce Phoenix Down côté duo lane. Et là, clairement, on a largement les dégâts pour faire un Fire Giant. Et c'est ce qu'on compte faire. Ataraxa qui met de bons dégâts avec l'arrivée de Captain Twig. Il y a probablement Variety et Pandalike qui vont zoner. C'est intelligemment fait. On a Captain Twig hein, qui a la colère au cas où pour le sécuriser. Et c'est très intelligent. On a plutôt Cancel. Là, on a fait un bon ultimate. Sauf que Richard Castle a fait un très bon ghost pour sortir de la cage. Richard Castle qui go in, très bon ulti sur 4 personnes, mais il risque de tomber sous le coup de Pretty Prime. On n'ira pas plus loin. Captain Twig qui avait fait un ultimate pour gagner un shield. Et là, clairement, vu le poke qui a été mis sur l'équipe Dire Wolf, on va probablement se diriger vers un Fire Giant. Oh là là, les dégâts! Est-ce que ça va passer? Oui! Ataraxia, in extremis qui prend le kill sur Rowi. Et on va continuer cette Tizanami. Est-ce qu'elle va tomber? Oh, le smash de Odin. Et là, par contre, c'est Free Fire Giant. Ouais, c'est un Freya Giant complètement free avec Freya qui doit aller défendre le phénix de la duolaine qui vient tout juste de réapparaître. Ouais, ça va passer. On a malheureusement le Sobek qui ne pourra pas y aller. Il va devoir dash out. On peut essayer de tenter un timing de push sur la solo lane. On va voir, on vole le bleu. On a la régène point de vie, la régène mana donnée par Fire. On va se permettre d'aller push avec un Chronos. Chronos avec la roue du temps sur le 4. Ça fait tomber les tours extrêmement rapidement. Ça y est, 1500 gold de plus dans la poche des Obéalliance. On va aller sécuriser la dernière T2 qui leur manque. Est-ce qu'on va essayer de s'attaquer au Phoenix qui rentre très très low à gauche, ou est-ce qu'on va back pour snowball sur les golds qu'ils ont actuellement en poche? Visiblement ça semble clean la jungle adverse, ça sera assez intelligent de re-clean très rapidement ce Phoenix parce qu'il vient de respawn, il est déjà assez affaibli. Pandalike qui fait un petit troll, qui met un ulti comme ça dans la jungle, soit troll soit misclick. Bon après le CD de l'ultimate d'Odin est très très rapide. Là, clairement, le Phoenix left side, il est affaibli vu qu'il vient de respawn, donc Ataraxia va pouvoir le tomber en un rien de temps. Après, il va falloir profiter du Fire Giant, même si on est en large avantage côté Obéalliance, il va pas falloir le gaspiller. Là, clairement, sur un bon fight, la game peut se terminer. Sur un bon fight, on peut voir la game se terminer rapidement. On va quand même sécuriser la goal, a priori. En tout cas, Pandalike assure la vision en positionnant une sentry. Est-ce qu'on se regroupe? On n'a pas de buff à faire. Donc oui, ça va être la gold qui va être faite par Ataraxia. Oh, quoique, non. On s'en fout. On va aller push au niveau de la duo lane avec Nike, Captain Twig qui est au middle et qui push au préalable cette lane pour forcer la présence des Dire Wolves sur celle-ci.
On va voir, le tir est en train d'arriver. On est parti sur une composition, un build assez intéressant. Bouclier runique contre tir, qui est un très très bon objet contre les Freya. N'hésitez pas à le prendre contre Freya, Sop et Chronic d'ailleurs. De l'autre côté, est-ce qu'on a un bouclier runique? Non, pas encore. Pas prévu visiblement là. On sait qu'on peut tomber très rapidement ce phénix et ces choses faites. Le bon ultimate de la part de Odin, pardon, et le gros ultimate de Zeus, ces énormes dégâts qui sont mis ici sur Rowie et Richard Castle qui vont tomber. L'ultimate de Uchita qui ne fera pas ses dégâts. Taraxa qui fait un ultimate instantanément. Deux phénix sont tombés. On va aller sur le phénix de la solo lane. Les trois phénix seront à nu. Et ça risque de sonner le glas pour cette équipe d'Airwolf, malheureusement, pendant la live, qui fait un très bon travail de zoning pendant que toute sa team est en train de taper ce dernier phénix qui est enfin tombé. Encore 25 secondes avant la repop du jungler et, du support, pardon. Ça risque d'être difficile. Ouais, ça risque d'être très très compliqué. On va voir les OB Alliance gagner ce quatrième match du round 1. Et on met beaucoup de dégâts sur le Sobek. On décide d'aller chercher plutôt les kills au début. Là, ça y est, on s'oriente sur le profil du titan du chaos. Et il tombe. Les OB Alliance n'ont fait qu'une bouchée finalement de l'équipe australienne des Direwolves. GG well played. Leur lit était avantageux ni pour l'une ni pour l'autre équipe. Direwolf a fait plutôt un bon early game. Malgré le gros écart de kill, à un moment il y avait quelque chose comme 14-2, l'écart de gold était léger, 2700 gold, et petit à petit malheureusement il y a eu ce teamfight vers 20 minutes de jeu où ils arrivent à prendre 4 kills pour 0, ça enchaîne sur une gold fury et là malheureusement ça commence à snowball. Les Direwolf n'ont pas pu revenir dans la game et voilà tout simplement. Je pense que le combo de Zeus, Odin était excellent, Ataraxa qui a fait une énorme game sur son Chronos, entre split push, entre très bon follow avec ses teammates. Absolument rien à dire, OB Alliance a été très propre. Et c'est là où on comprend mieux qu'ils ont battu Orbit GG, avec Trickstank, les anciens paradigmes. On les voyait plus venir d'ailleurs, les anciens paradigmes, plutôt qu'OB Alliance. Et OB Alliance montre clairement qu'ils ont la place au World et ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Ouais, c'est vraiment très bien joué de la part de OB Alliance. Ça fait plaisir. On a peu d'équipes européennes dans ces Worlds, donc ça fait plaisir de voir l'équipe OB Alliance ne pas tomber dans la déroute des soirs ou encore pire des Allégeances. Donc très très bonne entrée en matière de l'équipe de l'U, on va dire. Donc vraiment très très bien joué de la part des OB Alliance. On peut les voir arriver loin. Ils ont des drafts intéressantes, ils n'ont pas des picks qui sont très conventionnels, donc c'est plutôt cool. Content d'avoir vu un Chronos qui était un de mes picks préférés cette saison. On a vu un Odin qui est, c'est vrai, un très très bon counter pick. On a vu un Tyr, mon Tyr qui est très très fort en ce moment. Donc plutôt cool comme draft. On a vu un Zeus, c'est étonnant de voir un Zeus dans les mains européennes parce que c'était un pick qui a longtemps été joué en NA. Donc plutôt content de cette game et maintenant à voir ce que va donner le round 2 de cette première journée de ces championnats du monde. On va faire une petite pause et on se retrouve dans 5 minutes avec l'Unium pour la suite et le round 2 qui va donc commencer par Soir G2A contre les Luminosity, qui sera sans doute un match très impressionnant et très intéressant. Donc à tout de suite. À tout de suite.